Salut les amis. Oh, mais attendez, mais qui je vois arriver? Salut, ça va tranquille? Et allez, c'est bon. On se retrouve aujourd'hui à Paris avec Julien. Il y a le mazout qui est derrière. Mazout, classé. Mais c'est pas un mazout, c'est un essence. Aujourd'hui, petite journée sympa, mode ball. Alors, c'est la première fois que je vois un événement comme ça, c'est assez marrant, c'est un peu comme le gumball, mais en plus petit, en plus familial, c'est plus familier, c'est plus beau. Et en face de moi, je vois déjà des beaux mazouts. J'espère que vous allez kiffer les amis, ça va être sympa. Aujourd'hui en tout cas c'est une belle journée, il fait très chaud. Mais voilà, il y a un van de violeurs aussi, c'est assez sympa. On va se faire arroser. Comment ça vient, on va se faire arroser? Bon alors, explique-nous. Alors aujourd'hui on est au mode ball. Putain c'est beau, regarde ça, c'est... Ah. Putain ça c'est stylé. Voilà. Ouais bah voilà, au cas où on l'aura pas compris. Ouais au cas où. Et si tu veux en fait c'est un rallye automobile qui fait Londres, Paris, Suisse. On va faire Genève là aujourd'hui. D'accord. On va faire l'Espagne, on va faire Barcelone, le circuit de Valence. Et on va terminer à Ibiza, j'espère que je serai pas trop mort pour rentrer. Et là on a les Mobile Girls. On a un peu tout le monde. D'accord. Je suis venu avec Tiger qui est là-bas. Qu'on va les filmer d'ailleurs. Ah yes. Regarde, elle me gifle dessus. Bah, c'est comme ça qu'on se fait respecter, t'as vu? Bon, vous l'aurez compris, c'est bon enfant, c'est bonne ambiance. Et gonzesse, châssis, dans tous les sens du terme d'ailleurs, voiture et gonzesse. Et alcool à flot, enfin on est quand même bien. Alors aujourd'hui, petite spécificité, on a une Holden, voiture très rare qui est australienne. Enfin, du moins on la retrouve beaucoup en Australie. Elle est là, elle est devant moi. Autant te dire, bah, c'est la première fois que j'en vois une en fait. Puisque encore une fois, c'est un véhicule qui est bah, pas du tout européen. Elle a l'air d'avoir le diable en elle. Ouais, elle a l'air pas du tout stock en plus. La rue de Julien d'ailleurs est juste là. Elle est... Mais bon, je voulais quand même filmer un peu cette voiture parce que bah, c'est rare. Alors là-dedans se cache un, bah, comme c'est indiqué, un V8 6 litres 2. Bah, en fait, comme la C63. Alors c'est pas un moteur de C63, attention, mais c'est la même cylindrée et le même moteur. Donc je suppose que ça va faire un son à peu près similaire. Là, le fourgon qu'on a vu juste avant, justement. Et voilà, voyons un peu la gueule que ça a à l'intérieur. Donc c'est une boîte manuelle. Ah ouais, alors là, ouais, d'accord. Au cas où, boîte manuelle. Donc si t'as pas envie d'avoir un C63 boîte auto, bah voilà, t'as ça. Ah, c'est sympa à l'intérieur. Ah oui, il a carrément un pneu de rechange au cas où, quoi. Ouais, elle est très violente quand même. Ensuite, ici, on a une 911 RWD. Elle est juste ouf, en fait, vraiment. C'est une voiture, laisse tomber, quoi. Beaucoup vu sur Tokyo, au Japon. Mais alors ici, jamais. Elle est complètement dingue. Les jantes, la carrosserie, enfin tout, elle est vraiment folle quoi. Ouais, elle est dingue. La plaque aussi est insolente. Voilà, un peu pour te donner le ton de comment ça se passe ici. Ensuite on a la R8 de Julien qui est là. Alors qui n'est plus Urban Tiger pour ceux qui ne le savaient pas. Mais bon, je pense que ça vous l'avez vu sur les réseaux UJ Motors. De toute façon c'est marqué, je vais montrer Instagram juste après. Ce qu'il a fait aujourd'hui c'est un noir satiné avec des rappels. Je vais me taire. Ah oui, bah il a ouvert le moteur, d'accord, génial. Alors là, tu vois, c'est un véhicule australien qui fait 720 chevaux le bordel. Elle fait 720 chevaux, merde, ah ouais. Et justement, je suis en train d'expliquer, j'étais sur ta R8. Ouais. Donc là, on est sur un noir satiné avec des rappels fluorescents, c'est ça aujourd'hui. Et franchement, mec, avec les stickers chrome comme as, elle est juste... C'est marrant, hein, ça elle change. Est, hein. Elle est super belle. Ah, je suis sûr que t'as fait exprès. Elle est super belle, là, franchement. À la base, pour vous dire la vérité, en fait, je l'ai fait, en noir satin pour descendre le top mark. Parce que, comme vous le savez, il y a le V2 qui devait sortir. Mais avec le taf, frérot, j'avais pas le temps. Et donc, du coup, je suis parti sur un V1.1. D'accord. La 1.5, juste avant la 2.0, quoi. Voilà. Là, c'est une 1.2 maintenant. D'accord. Ou un 1.1.1. Ouais, 1.5.2.5. Ouais, d'accord. Et donc, du coup, on a fait ça. Et comme je devais faire le mode ball aussi,
Salut. J'espère que tu vas bien. On va tous très bien. Et donc voilà, j'ai fait comme ça. Et finalement, avec les stickers dégueulasses, c'est pas si franchement, moche. Franchement, non, j'adore. Putain, ça lui rend. Et les détails qui ont raison. Non, franchement, ça rend super bien. Bah, ça fait vraiment pisse compète. Ton Insta qui est là. Yes. Et toi, t'as mis des détails ici, là. Et à l'avant, justement, sur les lames. Ah, franchement, ça rend super bien. Une autre collègue. Oh, elle est top. Là, on a une baleine. Violette, c'est très sympa. Une dédicace à tu sais qui. Ouais. Une Ariel. Ah, là, ça. Il doit, franchement, lui, il doit se marrer sur l'autoroute. Hein. Ah, mais. Moi, attends, mais lui, il va jusqu'à Ibiza avec ça. Ouais. Mais non. Bah, déjà, il va descendre en Suisse. D'accord. Je vais essayer de le suivre pour voir un petit peu comment il va se comporter sur la route. D'accord. Donc, ouais, mais ça marche du feu de Dieu. C'est énorme, c'est des sièges carbone, quoi. Tu vois, le mec, excellent. En fait, il se promenait avec son volant dans tout l'hôtel. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un Lance God. Ah oui, merde. Énorme. Et c'est un Lance God. J'adore. C'est un jus de Pérignon. D'accord. Là, on a une E63 Estate, donc en break, sublime. Là, on a des châssis. Autant te dire que c'est bien. Châssis, voilà, magnifique. Magnifique. Bonjour. Hello. C'est magnifique. Ah, c'est bon. Oh, bravo. Le timing était trop short. D'accord. On est trop. En parlant de short, il y en a beaucoup ici dans ces. Une GTS. Ouais. C'est efficace. Vois, RS4 B7, ma préférée. J'adore celle-là, vraiment le son, le 4 litres 2, il est sublimissime. La fameuse Golf GTI. Voilà. Oui, c'est une 6, enfin c'est une 5. C'est effectivement. Ils sont toujours premiers. D'accord. Alors t'as beau avoir une voiture de fou, tu te fais toujours Ken. Turbo. Un SVR. Une Turbo S, ouais, putain, elle est belle. Hein. Oh là 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 là, Turbo S, là, c'est une voiture de ouf, j'adore ça, quoi. Ouais. C'est incroyable. La config, elle est folle, quoi. Folissime. Ah ouais. Non, elle est très sympa la config. Lui en SVR, il doit être bien. Mais du coup, vous êtes combien de voitures? Une centaine. Une centaine? Ah oui, donc il y a vraiment personne là. Alors frérot, tu vois, les numéros, c'est en ordre d'arrivée de participants. D'accord. Donc moi, je suis le 156e. Ah oui, donc il y a plus de 150 bagnoles. Ah oui. Non, et comment ça se fait? Il y a eu des désistements. Mais comment ça se fait que là, il n'y ait pas toutes les voitures? Là, ils sont où, genre les autres? Il y en a qui ont pris de l'avance. D'accord. Il y en a qui se sont pas réveillés parce qu'il y avait une fête hier soir. Ok. Au boum boum. Après, voilà, il y a pas mal de choses qui se bloquent. Le moticide. Là, on est dans une réunion. Ça va? D'accord. Hello, Régis. Enchanté, tu m'as cassé la main, Régis. Mais ça va? Prends les Allez, couille. On devrait faire plus chaud. Ouais, ouais, là cette semaine ça va être horrible. Des gens qui sont pas très contents là, mais bon, c'est quand même très sympa. Ça va le boulanger? Ça va et toi? Ouais, tranquille, on est bien. C'est un vlog. Hein? C'est un vlog. Bah ouais, c'est un vlog de continuité, on est là, on est bien. Salut, salut ça. T'es venu avec la PV? Là, elle est en révision, j'apprends cet après, mais ouais, je reviens avec. D'accord, non, c'est en bon. En Clio 2 là. Après. En Clio 2? Ouais. Tain, bah ouais. Avec le stickers et les plaques à carré. Génial, c'est beau. Ah! Ça, c'est un vrai bon détail. C'est bon. Vas-y, je t'envoie de la force, mon pote. Bonne chance. Merci, au revoir. Amuse-toi bien, surtout, c'est très important. Oh,
là 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 là. Merde. Oh là 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 la M3. Eh, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Folle. Putain. La bagnole ou la meuf qui est dedans? Ah, j'ai pas vu la fille qui était dedans. Mais les deux alors. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi un Urus que j'ai pas trop filmé. Mais il est présent, il est là. Rouge de taille carbone, bon bah écoute, qu'est-ce que tu veux. Et en plus il démarre, c'est bon. Signature lumineuse. Non, il est sublime. Franchement, il est... Oh, il est ouf. Ah, il s'est pas mis un petit becquet du Seine. Franchement, ça lui va super bien. Les amis, c'est là-dessus qu'on va finir cette vidéo, sur cette magnifique vue de la Tour Eiffel, avec toutes les voitures qui sont derrière. Donc on va pas très bien parce qu'il y a beaucoup de monde. En tout cas, ça fait vachement plaisir de vous croiser déjà vous ici et de voir tant de belles voitures et de beaux châssis. Mais voilà les amis, j'espère que vous aurez kiffé cette petite vidéo sympa. C'est du contenu qui change, ça fait plaisir. Merde, j'ai 36 qui tirent pas droit. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait plaisir. À vous abonner aussi. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ça.